Derby attendu entre Laval 17e et Angers 3e. Le SCO est favori de la rencontre, mais a encore beaucoup de blessés. Yaya, Ayari, Gomez, Ben Othman, Diallo ou encore Aurillac manquent à l'appel. Laval de son côté est privé de Benjemia, Couturier et Renoir. Trois matchs à domicile depuis le début de la saison pour les Tangos pour trois matchs nuls. La victoire est attendue, pourquoi pas, aujourd'hui à l'occasion de cette partie. Mais les Angevins pressent, récupèrent ce ballon. La frappe à angle très fermé de Sofiane Boufal. Toute la technique de ce joueur très intéressant. 26e minute, premier but de la saison pour Boufal. Angers mène à l'extérieur. Des Angevins qui sont en confiance sur deux victoires consécutives. Pourquoi pas une troisième de suite. Laval met du temps à rentrer dans le match. Mais l'égalisation est magnifique. Elle est signée Hassan Alla. L'ancien Havrais marque son premier but de la saison. Ludovic Butel est complètement surpris dans le but angevin. Ça fait un partout. Il n'y a pas d'autre but avant la mi-temps. Un partout, c'est le score à la pause. Laval a joué 6 matchs depuis le début de la saison. 5 nuls et une défaite. Toujours pas de victoire. Les Tangos en auraient bien besoin. Ils sont juste au-dessus de la zone de relégation. L'égalisation à 5 minutes de la pause a fait beaucoup de bien au moral des joueurs de Denis Zanko. Et en seconde période, il y a d'autres opportunités. Cette fois-ci, des chances de prendre l'avantage. Le travail impressionnant dans la surface de réparation permet d'obtenir un pénalty à la 52e minute. Didier Falcon n'a pas hésité. C'est un super travail du joueur prêté par le Stade Rennais, Wesley Saïd, qui a permis d'obtenir cette sanction. Et Hassan Alla, lui, s'offre un doublé. Deuxième but de la saison pour Alla. Et Laval mène au score 2-1. Au tour d'Angers d'avoir des opportunités. Avec cette reprise de la tête à bout portant sur le corner. 4 minutes après la prise d'avantage de Laval. L'égalisation angevine à 2 partout. Jonathan Kodjia pour son 5e but de la saison déjà. Il est co-deuxième meilleur buteur de Ligue 2. Kodjia qui essaye de marquer un autre but. L'extérieur du pied était magnifique. C'est sur la barre transversale. Angers a bien failli mener de nouveau au score. Mais c'est au contraire Laval qui repasse à l'attaque. Match complètement fou. 87e minute. Anthony Robic inscrit son premier but de la saison pour offrir les 3 points de la victoire au Stade Lavallois. Angers ne reviendra pas. C'est même Laval qui est proche d'inscrire un but supplémentaire. Beaucoup de suspense, beaucoup de changements de leader au tableau d'affichage. Et au final, c'est bien Laval qui obtient son premier succès de la saison. 3-2 contre le SCO d'Angers.